Good morgen, allez, Iden, le sujet aujourd'hui, lire Fouat, Chaya, Rivka, Bat, Léa, Shimon, Raphaël, Ben, Rina, Ephrat, Sarah, Bat, Nechama, et Hanalea, Bat, Gitel, Devora, Betor, Char, Chol, Israël. Si vous souhaitez aussi des une prochaine issue de Mishnah, contactez la 5e minute éternelle. Nous étions à Sechet Psachim, Perik, He, Mishnah, Bet. A Pesach, Sheshchato, Shelo, Lishmo. Vekibel, Veilech, Vezarak, Shelo, Lishmo. O Lishmo, Veshelo, Lishmo. O Shelo, Lishmo, Velishmo. Pasoul. Quetzad lishmo ve shelo lishmo leshem pesach ul shalom shlamim. Shelo lishmo ve lishmo leshem shlamim ul shem pesach. Ceux qui ont fait avec nous le seder kochim se souviennent de Masechet Zraim. Eh bien, ils n'ont pas peur de tous ces mots un petit peu étranges. C'était longuement traité dans Masechet Zvachim. Ce qui se passe, c'est on parle concrètement du korban qu'il faut les intentions à avoir lorsque l'on va faire le korban. C'est un sujet qu'on développe longuement, comme on a dit dans Zvachim, même dans Menachot par rapport au Menachot, que lorsque tu fais une chose, lorsque tu vas faire un Korban Shlamim, par exemple, eh bien, il faut que tu penses que c'est un Korban Shlamim, et pas que tu penses que tu es en train de faire une Shrita d'une Ola ou d'autres choses. Ce qu'on appelle le Lo Lishmo. Tu dois être Shochetoto Lishmo. Lui faire la bata, l'abattre Lishmo au nom de ce qu'il est, pourquoi il vient. D'accord? Et pas pour t'acquitter d'un autre devoir, que puisque j'ai un riouf de Ola, allez, je l'égorge en tant que Ola. Ben non, si c'est un shlamim, regarde à l'echot. Des fois, le korban, il sera kasher, puisque le propriétaire ne se sera pas acquitté de sa mitzvah. Et des fois, le korban, il sera pas soul. En réalité, pour le korban qui est rendu pas soul, qui est invalidé, il y a deux sortes. Il y a soit le khatat, soit le pesach. C'est les deux seuls que. Le pesach est un statut très original, on aura l'occasion de le découvrir. D'ailleurs, je précise un point important. Le but de Masechet Psachim, c'est pas de reprendre toute sa halakhot de Zvachim sur les intentions à avoir, mais juste de concrètement de donner un petit compte-rendu de toute la halakhot particulière concernant la Shrita du Korban Pessah. En l'occurrence, c'est un peu une introduction sur la Mishnah, la prochaine Mishnah, où il y aura quelque chose de très original qui n'existera pas dans les dons d'autres Korbanot. Donc du coup, notre Mishnah a commencé déjà à préparer, à nous introduire le principe de l'Ishmo. J'explique, c'est très simple. Donc, comme on a dit, le Korban Pessah, si tu le fais avec intention de t'acquitter d'un autre devoir, de Ola, de Toda, eh ben le Korban, il est invalidé, impropre à la consommation. On ne pourra même plus continuer à faire les autres avodot. D'accord? C'est ce qu'on appelle qu'on a fait les Shelolishmo. Pas pour son nom pour lequel il est préposé. Et donc, la Mishnah me dit un Pessah Sheshrato Shelolishmo. Un korban pessah que l'on a fait, qu'on l'on a abattu, shelo lishmo. Donc on a fait la shrita, pas en guise de korban pessah, mais en guise d'autre chose. Ça peut être un shlamim, ça peut être une ola, ou encore veki bel veel vehilech vezarak shelo lishmo. Il a reçu le sang, ou il l'a apporté le sang sur le misbeach, ou bien il a aspergé le sang sur le misbeach, shelo lishmo. On explique un petit principe de Zvachim bien connu. Il y a quatre étapes dans le korban pour s'acquitter du korban. Lorsqu'on apporte un animal, eh bien, il y a Shrita Kabbalah ou la Chazrika. On commence d'abord par lui faire la Shrita, c'est la première avoda. Deuxième avoda, c'est de recevoir le sang dans un ustensile. Troisième avoda, c'est d'apporter le sang sur le misbéach. Et quatrième avoda, c'est d'asperger le sang sur le misbéach. Si on a fait ces quatre points, comme la halakha le requiert, on s'est acquitté du korban. Même si après, bien évidemment, il faut faire monter les graisses, et les kohanim devront manger certaines parties, et les propriétaires parfois d'autres parties. Mais en tout cas, même si après tout se perd, on n'a pas fait, au final, personne n'aura profité ni des graisses, ni rien du tout. Mais dès qu'on a fait les quatre avodot, on s'est quitté du devoir. C'est les quatre avodot essentiels. Shrita Kabbalah ou la Chazrika. Alors la Mishnah me dit, ben sache que j'insiste pour que tu le fasses lishmo, en guise de Korban Pessah et pas en guise d'autre chose, pour les quatre avodot. Si dans une des quatre avodot, tu t'es mis à penser à le faire en guise de shlamim ou de hola, eh bien tu ne t'acquitteras pas. D'accord? Le korban, il est devenu impropre à la consommation. Et, oh, shalom lishmo ve lishmo, ben mieux que ça. Un, tu l'as pensé, lishmo ve shalom lishmo, en son nom et au nom de d'autres choses. Il y a deux avis comment interpréter ça. Soit, en fait, il apporte en ce moment, il fait la shrita, et il pense à s'acquitter de son korban de Pessah, et en même temps de s'acquitter de son chriouv de shlamim qu'il avait de toute façon d'apporter, il avait un devoir d'apporter un korban de shlamim parce qu'il avait fait un vœu. Donc il a une double intention de faire dans ce même korban. Il a invalidé le korban, c'est une première interprétation de la Mishnah. Et le Barthénorin ne va pas selon cet avis, en fait. Il faut d'abord que j'introduise la prochaine phrase, et puis après on explique les deux ensemble. Ou encore, il a fait l'abattage
en pensant à le faire Sholé Lishmo pour le autre chose, donc par exemple le Shlamim, et Vélishmo est aussi pour son nom. Dans tous ces cas-là, il est rendu impropre à la consommation. Le Barthénora en parle qu'on est dans une situation de Mechashvin, mais Avoda l'Avoda. Soit, lorsque je fais la Shrita, il faut que je fasse la Shrita en guise de Korban Pessah. Je réceptionne le sang en guise de Korban Pessah. Et si toutefois, je fais la Shrita en guise de Korban Pessah, mais avec intention à ce moment-là qu'après, je vais aller chercher un verre et réceptionner le sang en guise de Chiyuv de Shlamim. D'accord? Eh bien, dans ce cas-là, c'est comme ça que le partenaire explique que je l'ai fait lishmo ve shelo lishmo. Ou inversement, shelo lishmo ve lishmo. Alors, dans tous ces cas-là, le korban, il est invalidé. Ok? Et la Mishnah, d'ailleurs, le précise. Ketzad lishmo ve shelo lishmo. Comment se présente le cas de lishmo ve shelo lishmo? Que tu as eu une double intention de le faire en son nom et, pas en son nom, en guise de korban. Alors, la Mishnah me répond. Lechem Pessah ou Lechem Shlamim. Tu as l'intention de le faire en guise de Pessah et en guise de Korban Shlamim, un autre nom de Korban. Comme on a dit, même si tu l'as fait, mais Avoda les Avoda. Tu es en ce moment en train de faire la Shrita avec intention de réceptionner le sang en guise de Shlamim, ou d'asperger le sang en guise de Shlamim. Eh bien, dans ce cas-là, donc tu as invalidé le Korban, même si la Shrita, tu l'as bien faite, et que tu n'en es pas encore à l'époque, au moment d'apporter d'asperger le sang sur le misbéach. Pire que ça, le partenaire précise encore, tu auras l'intention d'asperger le sang sur le misbéach, comme il... concrètement après, lorsque vient le moment d'asperger le sang, il se reprend à l'ordre, il se dit non, il faut bien le faire en tant que guise de Pessah. Donc finalement, il a fait la Shrita en guise de Pessah, il a fait la Zrika en guise de Pessah. Eh ben non, il a validé son combat parce qu'au moment où il faisait la Shrita, il avait eu comme intention de faire la Zrika en guise de Shlamim. Ok? Oshelo Lishmo Velishmo, donc, je reprends le Kesad Lishmo Velishmo, je reprends depuis le Kesad. Ketzad, comment se présente le cas de Lishmo Veshelo Lishmo, qu'il a fait en son nom et au nom de quelque chose d'autre, du Korban? Eh bien, c'est qu'il a fait Lechem Pessah ou Lechem Shlamim, en guise de Pessah et aussi en guise de Shlamim, comme le Barthénora le précise, on parle même en deux étapes. Il le fait en guise de Shrita, en guise de Pessah, avec l'intention de s'acquitter d'un devoir de Shlamim aussi, lorsqu'il aspergera le sang. Même ça, ça s'appelle Lishmo Veshelo Lishmo et que c'est invalidé. Shelo Lishmo Veshelo, bien encore le cas inverse, c'est le cas de, il a commencé à le faire Shelo Lishmo, pas en son nom, et aussi en nom de quelque chose, eh bien, par exemple, le cas se présente de Lechem Shlamim ou Lechem Pessah, c'est la fait en guise de Shlamim et aussi en guise de Pessah. Et dans tous ces cas-là, le Korban, il est invalidé. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.